Ça va? Plutôt bien en ce moment, ça va. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Yoni euh, Alpha, euh, artiste martiniquais depuis maintenant 20 ans, mm -hmm. euh, qui fait d'autres choses à côté, notamment euh, j'ai un rôle d'enseignant dans la vie civile. Je suis aussi le porteur du projet d'une bourse qui porte le même nom que moi, la Bourse Paille. Et puis en vrai, on va dire martiniquais, plutôt amoureux de son île, c'est déjà pas mal. Euh, tu as grandi où? saint luce Et c'est une ville qui est complètement centrale géographiquement dans ma vie, mais sentimentalement aussi. Je suis lucéen avant même d'être martiniquais. Ça veut dire quoi Je suis lucéen avant d'être Ça pas... veut dire que. J'y vis maintenant J'y vis, j'y okay. suis retourné et que la grande, grande majorité des gens que j'aime, ils sont. Ça veut dire qu'il y a des visages et des gens qui ne savent peut-être même pas que je les aime, que je suis très heureux de croiser quand je vais acheter mon pain ou bien quand je vais à la station. On est dans une île de 80 km sur 30, une petite île, hein, 1100 km. C'est important d'être dans un lieu comme ça. Dire, je suis à Sainte-Luce, c'est de là que je suis. Ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est qu'effectivement, ce qu'on reçoit comme bagage en étant de commune, donc avec tout ce que ça sous-entend d'économie, de, de village, de relations très, très euh, entremêlées, en fait, en gros, je n'ai pas eu un papa et une maman, j'ai eu euh, les habitants de Sainte-Luce qui ont participé à mon éducation parce qu'on en était encore à cette période où euh, n'importe qui était capable de te reprendre dans la rue si tu faisais quelque chose de ça pas. Ça a changé. Ça a changé et je pense que quelque part, on y a perdu parce que c'est à peu près, selon moi, le socle de l'éducation anti guyanaise le fait d'être collectivement engagés les uns vis-à-vis -vis des autres. Après, il y a sûrement du bien et du mieux au fait qu'on se soit un peu européanisé. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, je m'attendais à te voir avec ton chapeau et ton nœud pape. Mm -hmm. Ça se caractérise C'est ton image aussi, ça Le chapeau, oui. Le nœud pape, c'était à l'époque où on faisait des lives. Enfin, on en fait toujours beaucoup avec mes musiciens. Le groupe s'appelait le Red Ties Gang, ce n'était pas des cravates, mais disons que le nœud papillon nous, nous distinguait. Et puis entre-temps, il euh, y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, on a un peu changé euh, de braquet, on est aujourd'hui un petit peu plus sur euh, la dimension visuelle et du coup, on, on a un peu changé euh, les choses. Mais oui, dans l'absolu, le chapeau est plus, plus connu que moi. Et paille alors, deux secondes. Paille, tu as déjà sûrement raconté l'histoire, mais paille, pourquoi paille Alors, j'ai une jeunesse <laughs> qui était déjà d'emblée un peu spectaculaire, parce que j'ai beaucoup, beaucoup picolé quand j'étais plus jeune. Ah ouais. Et du coup, un jour, je suis tombé face contre terre à la fête de Sainte-Luce. Voilà, on en revient toujours à Sainte-Luce. Et l'incident a fait qu'on a appelé les pompiers, bref, Comaitilic, etc. Mm -hmm. Et du coup, j'ai une copine qui a décidé que je buvais trop pour garder mon prénom. Donc, elle m'a appelé Paille, comme être boulé en paille. Voilà. Mm -hmm. Et depuis, tu bois plus Si, si, si j'ai d'ailleurs continué à boire assez violemment pendant pas mal d'années. Euh, maintenant, beaucoup moins, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses. Du coup, une fois qu'on a compris que le Rhum gagnait à chaque combat, euh, on n'a plus tellement envie de se battre. Donc, je vais boire un coup histoire de participer collectivement au Schmilblick. Mmh. Mais oui, ça fait un petit moment que je ne me mets plus euh, minable. Alors, quand je te vois comme ça, euh, je te vois comme quelqu'un de. comme un entrepreneur. Tu as parlé de la bourse au paille, donc avec de la suite dans les idées, c'est ça Et sérieux, en fait. Tu es quelqu'un de de déterminer qui, qui essaie d'aller jusqu'au bout de... de j'ai tendance à me considérer un petit peu comme un pitbull. C'est vrai que quand j'ai une idée en tête, il mmh. me faut trouver les moyens. Pas, je ne me pose pas la question de pourquoi elle ne marchera pas, mais de comment faire pour qu'elle fonctionne. Et du coup, effectivement, ça change le paradigme, mmh. ça change le prisme et ça, ça oblige parfois à faire des grands écarts euh, intellectuels pour trouver comment trouver, euh, comment trouver la voie qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc oui, je peux être très déterminé, mais je peux aussi passer de longues journées à rien faire en regardant mmh. la télé. Euh, mmh. Je suis justement un peu une dichotomie de moi-même. Il y a une partie de moi très, très sérieuse et puis il y a une partie qui est volontairement euh, dilettante. Et alors, donc, euh, tu es un artiste, tu es un chanteur. Tu as commencé, tu disais, il y a une vingtaine d'années. Mm -hmm. Comment la musique est entrée dans ta vie Est-ce que est tu un... t'en souviens Parce que la musique est dans nos vies. On est martiniquais, souvent la musique est dans nos vies. Comment, de façon précise, est-ce que tu peux dire c'était quelqu'un que tu as entendu, un clip que tu as vu non, je devais être au collège et je me souviens qu'on faisait des, des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, en fait, des fêtes de, du collège pour le carnaval. Et j'ai commencé à écrire des textes. J'ai un cousin qui m'a un peu initié à ça, qui me faisait écouter des mixtapes, euh, des dadinotti, etc. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'exercice de raconter notre quotidien. Et j'ai commencé à faire ça, je crois que je devais être en sixième, mm -hmm. jusqu'au jour où, en fait, euh, quatrième, cinquième, troisième, en fait, les, les copains attendaient la fête du collège pour que Yoni fasse son petit texte. Et du coup, ben. C'est devenu un exercice que je pratique. Mm -hmm. J'ai eu une grande, grande période où le dancehall me parlait moins, et j'ai beaucoup écouté de zouk. C'est une musique que je trouve extraordinaire quand elle est bien faite. Et j'y suis revenu euh, par un hasard euh, tout bête. Hein. Mm -hmm. J'étais commercial. Je passe chez Byron. Donc, euh, Byron, qui est celui qui m'a un peu initié et qui m'a mis les deux pieds dedans, il m'a dit de descendre avec lui. On va voir euh, ce qu'il y a au studio. Et voilà, je me prends au jeu. Et je crois que j'ai arrêté de travailler le jour même. Et Commencer à quasiment squatter le studio H24. Et tu as écrit, donc tu as fait, ton, je te demandais, ton premier tube c'était quoi Ton premier tube c'est Night and Day 2004 la Première chanson qui. Alors, premier tube, c'est le, le public qui peut en décider, mais disons que oui, la première chanson qui a motivé des gens à m'appeler pour chanter, c'est Night and Day en 2004, mm -hmm. en décembre 2004, si je, si je ne m'abuse, et euh, là encore extrêmement surpris du résultat. Pourquoi surpris parce qu'il n'a jamais été question d'en faire un métier. Hein. Je suis un accidenté de la musique. Euh, Aujourd'hui, ça fait 20 ans, donc je ne peux plus me cacher euh, derrière cette excuse-là. Mais oui, au départ, je n'avais pas prévu d'en faire quelque chose de viable commercialement, d'avoir une économie derrière. Et puis surtout, de, de prendre ça assez au sérieux pour que ça devienne complètement central dans mon existence. C'était quoi Night and Day, Léa Tu peux nous chanter quelque chose Night and Day, Night and Day. On s'en sait pas ce qu'on travaille, nous-mêmes, c'est Night and Day. Mm -hmm. On fait aller même gars à Fibon, on faut que ça donne sur les gars à Fibon. Moi, je disais Night and Day, Night and Day, again et alors, c'est quoi les conditions pour que ça soit, ça occupe cette place centrale dans ton existence Donc ça, c'est ton business, quoi, c'est ton métier, c'est ta passion. C'est mon métier, et puis c'est que si on me demandait de choisir entre toutes les activités qui m'occupent au quotidien, c'est la musique qui gagnerait forcément. Il n'y a même pas de vraie discussion. C'est ta passion aussi. Je pense même que mes employeurs à la MEP savent très bien que c'est pas une question qu'il faut me poser. C'est une passion, mais je pense que c'est au-delà de ça, on devient vite un peu accro à la démarche créatrice. L'applaudissement est pour moi la drogue la plus violente qui soit. Une fois qu'on a goûté à ça, ben, on a envie d'y goûter. Et au-delà de ça, euh, il y a une sorte de, de lien presque amoureux entre la plume et celui qui la tient. Il y a des mm -hmm. fois où j'ai l'impression que ce que j'ai écrit, en fait, ce n'est pas de moi. Comme s'il y a une mm -hmm. sorte de. Bon, on ne va pas entrer dans le mysticisme, mais il y a des chansons que je inspiré, réécoute. Quoi, ouais, il y a des chansons que je réécoute avec un peu de recul, je me dis punaise, mm -hmm. c'est toi qui as écrit ça. Moi, je me souviens notamment de celle, ils ont sali mon histoire. Mm -hmm. Qui était quelque chose sur précisément l'histoire, très revendicatif en fait. C'est à l'époque où notre ami Sarkozy euh, avait parlé de nettoyer euh, les banlieues au carrosseur. Mmh, mmh. Ou peut-être aussi, peut aussi d'ailleurs, des effets positifs de la colonisation. Exactement, mais voilà. il, était, il était sur une lancée assez, euh, oui. assez prolixe à l'époque. Et donc, parce que tu es un entertainer, toi, tu es, es quelqu'un qui divertit les gens. Mmh, J'aime faire danser et puis faire penser aussi. Et fait en fait penser, mmh. tu fais penser aussi. Et alors, tu es titulaire, donc tu disais que tu étais prof à la MEP, mmh. mais tu es titulaire d'un brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport, équitation, oui. spécialité western. Oui, je suis parti en, 2002, quoi, ça, hein en 2000, quand j'ai eu 30 ans, oui. je suis parti deux ans en Normandie, alors pas de manière continue, mais au moins dix jours par mois pour, appren pour apprendre à dresser des chevaux et pour apprendre à, à donner des cours d'équitation. Alors, c'est une période qui est un peu paradoxale parce que ça, ça correspond à la, à la période d'engouement de, autour de mon deuxième album. Donc, je suis effectivement dans un. Tu es parti deux ans Oui, ça a duré deux ans. Euh, alors, je ne suis pas parti parce que je faisais des allers-retours. Mais effectivement, une fois par mois, pendant au moins dix jours, ouais, pendant ces deux années-là, je me retrouvais en Normandie, parmi les chevaux, dans un ranch avec des gens qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Et c'était salvateur. Pourquoi j'ai fait ça Parce que le. Tu milieu... dit c'était salvateur le milieu de la musique est malheureusement gangréné par l'incompétence, pour bon, ça je sais que tout le monde le sait, mais aussi par une forme d'obligation de, de serrer des mains qu'on n'a pas envie de serrer. Et cette hypocrisie, elle finit par salir, elle finit par, <coughs> par déprimer. Et moi, je pense que j'étais à l'orée de ça. C'est-à-dire que j'en étais au point où mon métier devenait douloureux tout en en étant passionné. Il me fallait avoir de vraies relations avec des vrais gens qui n'en avaient pas grand-chose à faire, du fait qu'en Martinique mm -hmm. ou ailleurs, on m'applaudit et ça a été l'équitation. Je pense véritablement que ça m'a ça m'a sauvé. Ouais. Et les chevaux aussi. Je suis un grand grand fan de chevaux, mais depuis tout petit, à l'époque, je pense que ma maman n'avait pas forcément les moyens de payer des cours d'équitation durablement. J'en ai fait un an ou deux et quand j'ai eu l'occasion d'y retourner, ben oui, j'y suis retourné. Et euh, tu continues les deux à monter à cheval Je suis toujours moniteur d'équitation. Ouais. Je remonte de temps à autre. Il m'arrive de remplacer un copain à moi qui est un centre équestre à, à au François. Mm -hmm. Mais effectivement, une fois que j'ai regoûté au plaisir de la scène, positivement, avec l'envie, avec l'impression que les étoiles étaient alignées, en fait, la, la musique gagne toujours son combat à la fin. Alors, il y a la bourse PAI aussi, donc Master Sciences de l'Information et de la Communication. Et puis la bourse PAI, donc qui est, euh, qui est un concours, en fait. C'est une bourse. Mm -hmm. C'est une bourse de l'innovation, c'est une bourse pour les jeunes. C'est une bourse de la martinicalité innovante. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il est question de sortir du schéma unique. Qui serait de dire que les entrepreneurs sont des gens qui veulent devenir riches. Ce n'est pas un gros mot que de vouloir devenir riche, mais quand on est martiniquais, ce n'est pas suffisant. À un certain moment, il faut aussi apporter une plus-value à son territoire. C'est un peu l'histoire de, de, de la fleur qui serait née dans un marécage qu'on emmène dans les jardins du Louvre et qui se décide française parce qu'elle est dans les jardins du Louvre. En fait, la Martinique reste, à mon sens, parce qu'elle est difficile à côtoyer au quotidien, un vrai terreau d'innovation et puis une, une vraie terre de champions. Il y a aussi à un certain moment une obligation, selon moi, au moins intellectuelle, de lui redonner un petit peu de ce qu'on a eu au départ. Vous en êtes à la quatrième édition là euh, On prépare la quatrième édition. Voilà. voilà. Il y a des choses qui t'ont au prix, dans ce, finalement cette capacité à innover sur notre petit territoire. J'ai été euh, sur la première édition, Alors, la première édition, je crois que c'est 2018. Sur la première édition, j'y suis allé vraiment avec mon bâton de pèlerin, quasiment tout seul. J'étais à la fois sponsor, pas unique, hein, parce qu'il y, y a eu des marques qui nous ont accompagnés merci mais j'étais au four et au moulin j'apportais la glacière le matin mm -hmm. les petits déjeuners etc et j'ai été effectivement assez vite giflé de la qualité des projets mm -hmm. que ces gens euh, venaient défendre quoi. on a des idées qui sont extraordinaires mm -hmm. on n'a pas forcément tout le temps la logistique on n'a pas forcément tout le temps le réseau et c'est finalement là où la bourse paye devient intéressante c'est qu'on leur met à disposition un réseau qu'on a constitué depuis mm -hmm. pas mal d'années mm -hmm. et on essaie aussi de leur mettre à disposition mm -hmm. la fameuse logistique alors dans un, dans un environnement un pays où on entend oui bon on a, on a l'habitude d'entendre parler des aides, des subventions, etc. Est-ce que c'est à toi de faire ça Et alors, si c'est à toi de faire ça, pourquoi Est-ce que tu as des modèles en, en la matière Alors, le, le modèle, en fait, c'est tout con. Hein. C'est un rappeur qui s'appelle Kerry James, mm -hmm. qui est lui aussi un peu dans cette démarche-là. Oui. Au bout d'un certain moment, on ne peut pas tout le temps taper sur nos politiques. Alors bien sûr qu'ils sont, sont grandement fautifs, mm -hmm. mais il euh, y a un certain moment il faut mouiller le maillot. Et c'est quand on mouille le maillot qu'on réalise que ce n'est pas forcément si simple. Oui. Donc euh, même si parfois l'appareil politique mm -hmm. est lent, euh, médiocre, et voilà, il a plein de défauts, euh, nous aussi, en tant que citoyens, eh bien, quand on peut tendre, tendre la main ou être et dans faire. le dépassement de fonction, il faut le faire. Et oui. puis c'est comme ça que ça va devenir systématique et que tout le monde va finalement s'y retrouver. J'espère en tout cas. Alors, dans l'actu, là, il y, y a un morceau qui, qui trotte dans ma tête. Ouais, on dit. Tu le chantes quasiment mieux que moi. Nanana, voilà. Donc, on est parti pour le carnaval, c'est ça Alors dit Soka. Soka, alors, parce que j'ai eu, comme j'ai eu l'occasion de te dire euh, quelques minutes avant, j'ai participé en tant qu'artiste au. Plus gros festival Soca du monde. Uber Soca Cruise. Qui s'appelle Uber Soca Cruise. Et j'ai pris une gifle. C'est mmh. des gens qui prennent au sérieux des thématiques qui pour nous sont complètement secondaires. La musique, l'entertainment, le pour divertissement. Eux, la pour eux, la culture, c'est central. Oui. S'amuser, c'est tout aussi. Un vrai métier. C'est un vrai métier et puis c'est tout aussi important que de travailler dur. Oui. Et, et ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais bon, on sait bien que sous nos latitudes, c'est plutôt des métiers de gens qui n'ont rien trouvé mieux à faire. Oui. Et donc, du coup, j'en ressors avec effectivement plein de connexions. Pleine sonorité différente, parce que chaque île a sa, son style de soca. Oui. On a le, le, le jab à le Grenade, oui. le Rouvia à Trinidad, bref. Et Waffendi, c'est une chanson qu'on a fait avant, mais qui trouve encore plus son sens maintenant que j'ai un peu goûté à, à cet univers-là. Et euh, normalement, je suis booké pendant trois ans, donc je vais faire au moins les trois prochaines. Avec le Uber Soca, comment même... tu t'es connecté à ce, à ce concept-là En fait, c'est Randy Town qui sort pendant le confinement, donc on est à fond sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup plus Wendy de gens. Town, c'est un enfin, un une chanson Soka que oui. j'ai faite en 2020. Mm -hmm. Et à l'époque, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont devant leurs écrans parce qu'on est confinés, qu'il y a des problèmes de Covid. Et du coup, il y a des gens de, de ce, de ce, de ce crew-là, des DJ Trindadiens, des DJ Barbadiens qui repèrent la chanson, qui en parlent à des organisateurs d'événements, qui cherchent à trouver un Frenchie, entre guillemets, à mettre parmi tous les. Parce que c'est les... quoi le concept Vous êtes sur, une, sur un bateau, un paquebot, et vous êtes dans la caravane, vous êtes sur un bateau de croisière. Faites à 7h du matin jusqu'à 7h le lendemain matin. Alors il n'y a pas que Soka, parce qu'il y a aussi des gros sons de système sol il y a aussi des, des, ce qu'on appelle le small, small Island Turn Up, c'est-à-dire que c'est la musique des petites îles, donc on va entendre du zouk, on va entendre du cassave. Les anglophones sont comme toute personne qui aime la musique, fan de cassave. Donc ce n'est pas que de la Soka, mais c'est surtout tout centré autour de Pompiezot. Et ça dure en même temps euh, La croisière dure 5 jours. Nous, on en fait deux d'affilée, donc ça dure 10 jours. Mais c'est vraiment une sorte de marathon de l'amusement pendant cinq jours où toutes les conditions sont réunies. Mmh. La bouffe est bonne, mmh. les gens sont déguisés, ils choisissent les thèmes et ils respectent les thèmes. La musique est précise, donc mmh. c'est un truc où la qualité… Mmh. Le... Bref, il faut le vivre pour pouvoir en parler mieux que moi, mais c'est un truc qui m'a magiflé en fait. Mais, tu... okay, mais, mais, okay, mais c'est Soca, donc tu t'es mis à la soka alors, moi, je me suis mis à la musique parce que, ouais. en fait, quand on est martinique, on aime le zouk, on aime ouais. Machel, on aime la soka et on fait un peu de, de plein de choses. Si demain, j'entends une rythmique salsa qui me plaît, je, me, je ne m'interdis pas d'y aller. Ouais. La soka a toujours fait partie du panel de musique ouais. que j'ai pu faire et qui sont assez essentiels parce que moi, je réfléchis toujours les sons pour pouvoir les défendre sur scène. J'imagine mal aller à un concert où on a une heure et demie de chansons tristes et inversement, ouais. je m'imagine mal aller à un concert où il y a une heure et demie de chansons où il faut sauter sur la pointe des pieds. Donc, ouais. la musique qui bouge a toujours été centrale, mais pas que. Mmh. Donc, quand j'ai fait une chanson où j'ai pleuré euh, ma peine, où j'ai écrit euh, les douleurs de mon existence, ça ne me paraît pas incohérent de faire une chanson deux mois plus tard qui va parler de à quel point la vie est belle. C'est un peu comme ça qu'on est en Martinique. On est capable du mieux et du pire, du meilleur et du pire. Et donc, du coup, la Soka fait partie du panel qui était à ma disposition. J'ai eu la chance d'avoir deux, trois morceaux qui ont fonctionné au-delà de nos frontières, qui ont légitimé ma présence à la Uber à cause. La suite pour toi, c'est quoi c'est un album qui s'appelle Crépuscule des Lions, volume 1. Mm -hmm. Crépuscule parce qu'en fait, 20 ans de carrière, c'est a priori dans la musique que je fais trop long. J'ai beaucoup de collègues qui ne font plus de musique et qui ne sont plus là. Mais en même temps, ça peut aussi basculer vers autre chose. J'espère devenir vintage, j'espère faire partie des meubles <laughs> avec une sorte de, euh, ouais, de, 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 de sympathie, de bonhomie qui va faire qu'on ne va pas tomber dans l'amertume ou bien dans l'album de trop. C'est finalement ce qui me pend au nez. Donc, « Crépuscule des lions » parce qu'on espère que la pièce va tomber du bon côté. Et puis, on espère, on espère surtout que le public va continuer à suivre comme ça est le cas depuis, depuis 20 ans. Il y aurait une collaboration que tu aurais voulu faire Bizarrement, la seule qui me reste en travers de la gorge, c'est Max, Max Rancé. Parce que « Cœur de Norman Lambeau », c'est une chanson qui m'a bercé et que je trouve exceptionnellement bien écrite. Même mmh. si c'est sa femme qui l'a écrite. <coughs> mais dans le, dans, le, dans le lot des artistes, euh, oui, il y en a plein, mais j'ai envie d'être dans le contre-pied volontaire Carlo c'est un mec que j'aime beaucoup mm -hmm. et euh, voilà c'est des gens qui ça m'a intéressé que... de comprendre c'est qui il... a travaillé avec Passy, non il a travaillé avec Passy, oui. il a écrit sur plein plein d'albums c'est un Ghostwriter face writer. à la mer je pense à face à la mer face à la oui. mer il a écrit C, il a écrit une oui, oui. chansons extraordinaires. il a écrit une chanson qui qui représente beaucoup une partie de mon existence que j'ai un peu foirée on est riche que de ses amis mm -hmm. et moi je pense qu'effectivement, la musique m'a rendu trop acariâtre un petit peu trop loin des gens il y a peut-être plein d'amis que j'ai Déçu parce que je ne savais pas comment les aimer. Et eux non plus ne savaient pas comment réagir avec quelqu'un qui, qui était devenu une sorte d'ours mal léché. Et c'est une chanson qui me parle beaucoup et c'est un gars que je voyais effectivement aimé rencontrer. Et, mm -hmm. euh, en plus, il aime la guitare électrique comme moi-même, donc ouais, ça, aurait, ça aurait coulé, je pense. Le mot de la fin, ce serait quoi, Pari Le mot de la fin, ce serait aimons-nous vivants. Tiens, c'est une banalité, mais je suis de ceux qui regardent assez régulièrement la dernière interview de Mouna. Où il parle de son corps qui devait, enfin, du fait qu'il devait, qu'il qu lui fallait mourir pour devenir du fumier et, et, et porter des graines, c'est d'une violence euh, inouïe. Je crois qu'on a en Martinique, euh, sans les nommer, je, je pense à plein de gens, mais on a en Martinique des gens qui mériteraient d'avoir une fin plus heureuse, une reconnaissance plus grande. Et puis c'est, voilà, une fois que c'est fini, ça n'a pas vraiment grand sens. sens. Donc aimons-nous euh, vivants, ça me paraît pas déconnant. Aimons-nous vivants, merci Paye.